Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Isabella Gianni, actrice. Actrice. Qu'est-ce que la marque Ami représente pour vous ? Une façon d'être, d'être soi, je veux dire structurée. Ami, c'est une tenue. C'est de la tenue, mais en même temps qui vous laisse libre. Est-ce que vous pensez que nos vêtements nous permettent de définir qui l'on est et nous donnent une certaine assurance ? Comme ceux que crée Alexandre, qui vous donnent de l'assurance, mais une assurance tendre et flexible. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous portez aujourd'hui ? Je ressemble un peu à un gangster qui voudrait changer de sexe, un truc comme ça. Petite ligne comme ça, chère au film de genre des années 50. C'est une élégance et en même temps, c'est une histoire. Et puis ma chemise qui est aussi douce que, vous savez, les oreillers en coton égyptien. Alors, donc l'impression d'être bien, de dormir un peu comme ça à l'intérieur. Avez-vous déjà gardé une pièce de vêtement d'un tournage ? Avec ou sans autorisation d'ailleurs ? Un débardeur en lin de Camille Claudel que je mettais pour les scènes où je sculptais. C'est juste un petit morceau de tissu qui ressemble à rien, mais qui m'émeut quand je le touche, quand je le regarde. Quel vêtement reflète le mieux votre personnalité ? Je crois le cache-poussière. Quelque chose entre le western et l'Angleterre. En termes de style vestimentaire, avez-vous une pièce fétiche ? Ça peut paraître un peu strange, mais j'adore les gilets de Picasso. Et en fait, j'ai jamais vu aucun styliste les refaire, ces gilets-là. C'est peut-être un message pour une prochaine collection ? Ouais. Quand on connaît votre carrière, un mot revient souvent, c'est l'audace. C'est quoi l'audace pour vous ? C'est pas avoir peur quand on a peur. Donc ça donne des choses qu'on n'a pas prévues. Merci beaucoup Isabella Gianni. Merci.